Donc aujourd'hui, il y a eu un mouvement d'action situé sur l'école Jules Ferry suite à la suppression d'une classe. L'ensemble des parents d'élèves, élus ou non, ont été prévenus simplement le 22 par une belle lettre de la mairie qui est entièrement pour notre mouvement. Donc voilà, nous avons rencontré Madame Desjoux ce matin, qui est inspectrice académique et qui ne démord pas sur la fermeture de cette classe. Donc notre mouvement consiste simplement à vouloir que cette classe reste avec un effectif diminué sur l'ensemble des classes d'environ 20 élèves à la place de 25, 26 ou même 28 comme on peut voir dans d'autres écoles pour le bien-être des enfants, pour le bien-être des parents et pour le bien-être aussi du corps enseignant. Je crois qu'on a grand besoin. Donc ce mouvement-là, bah, pour l'instant, perdure, donc ne perdurera pas non plus pendant des jours et des jours. C'est simplement une action spontanée. Et nous serons amenés certainement à avoir d'autres actions, peut-être pas dans les jours à venir, mais d'ici la fin de l'année, voire en début d'année prochaine, parce qu'on veut absolument que cette classe reste.